Eh bien bonjour, bienvenue ici à Mours, tout près de Romans-sur-Isère, pour découvrir les secrets de la raviole Mère Morine. Now we are going to visit the factory, so we are going to be like equipped with some like safety clothes, and let's discover how do they produce the raviole. So let's go. Le démarrage de la confection de la raviole, parce que là on est au pétrin où on a mis donc la farine, les œufs, l'eau et l'huile de colza. Cette pâte, une fois qu'elle est pétrie, on la passe dans une petite calibreuse qui permet de faire un rectangle de pâte avant de la passer à faire au laminoir. Donc le laminage de la pâte bien sûr, avec plusieurs passages, et puis après un repliage pour que la largeur soit bonne pour pouvoir faire deux bâtons de pâte, et on repasse donc à l'intérieur. Là, on trouve la part traditionnelle, c'est que la mère Morine est toujours faite à base de comté, du persil, cuit, revenu dans du beurre pendant plusieurs heures, des œufs, du sel et du cahier de vache, de la faisselle. Ça, c'est la recette de base classique qu'on fait chez la mère Morine. Donc ici, on est donc au bout de celle qu'on va passer. Ce tuyau et ce collecteur. Le collecteur, c'est le même que celui-ci. Voilà. Il y a donc 8 buses. Ces 8 buses, ça va être rempli par la farce à l'intérieur. Donc ça va arriver au bout. Ça va remplir le godet de ravioles et remplir nos plaques. La recette idéale, c'est un tourbillon, une eau frémissante, on sort nos ravioles à 10 minutes du frigo, on y fait un petit coup de main, comme celui-ci, ça nous les détache tout seul, et au bout de 90 secondes à 2 minutes, elles vont remonter à la surface. Donc là, le test est réussi, on tapote un petit peu parce que comme elles sont vraiment fraîches, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens les font surgeler, et même quand elles sont fraîches, ils les passent des fois même quelques minutes au congélateur pour pouvoir arriver à les faire détacher toutes seules. Une fois qu'elles sont à la surface, on les sort et on les mange tout de suite. La raviole n'attend pas les convives, c'est les convives qui attendent la raviole. Hein. Très important. So now let's taste. So let's go. Wow. It's explosion. Like you can really taste the herbs that they put inside the raviole. And it's really creamy with the cheese, the comté they use like inside in the stuffed part. And that just crazy, that's really really good. Le carré chocolat. Donc là, le carré chocolat, on n'en mange pas 10 ou 15, hein. On en met 4-5 dans l'assiette. Deux boules de vanille, une crème anglaise, une boule chantilly, une boule de menthe. Menthe chocolat, ça va très très bien avec. Et c'est succulent. So now let's taste like it's the chocolate raviole and like they have like chocolate ganache inside. So let's try. Yeah. It's really sweet, like you can really taste the chocolate, like it's really, really nice, like when you put it inside your mouth and then you bite it, like chocolate like is creamy and it's really, really good. Now you know all about the raviole of Romans and raviole of the Mère Morine. So you have all the detail and the addresses of the different shop of Mère Morine on my blog, bonappetitfoodies.com. So don't forget to like my Facebook page and to subscribe to my YouTube channel. And I see you really soon for more videos on Bon Appétit Foodies.